Bueno, muchas gracias. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta audiencia número 6 de nuestro 173 periodo ordinario de sesiones, que lleva por título... Ok, bien, gracias. Una vez más les doy la bienvenida a las organizaciones solicitantes y otra vez reitero mi bienvenida a los representantes del Estado. Me acompañan en esta mesa la comisionada Flavia Pío Bezán, ella es relatora para Haití. Nos acompaña también el comisionado Luis Ernesto Vargas. Está con nosotros el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, el doctor Paulo Abrao, y también nos acompaña la doctora Soledad García Muñoz, quien es relator especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, primer vicepresidente de la Comisión, y en esta ocasión me toca el gran honor de presidir esta audiencia. Ustedes conocen la dinámica de nuestras audiencias, las voy a repetir, sin embargo, para beneficio de todos. Vamos a dar en primer lugar la palabra a las organizaciones solicitantes, hasta por 15 minutos. Entiendo que una de las organizaciones va a hacer una presentación por videoconferencia, la cual les ruego que sea realizada dentro de los 15 minutos disponibles. Y acto seguido vamos a dar la palabra hasta por 15 minutos a la representación del Estado. Les pido a ambas partes que al momento de hacer su presentación se presenten, se identifiquen con nombre y con organización a la cual ustedes representan. Dicho esto, demos inicio a nuestra audiencia y hasta por 15 minutos tiene la palabra los representantes de la sociedad civil. Por favor. Monsieur le Président d'audience, mesdames, messieurs les membres de la Commission, et distingués membres de la délégation de l'État haïtien. Je me présente rapidement, je suis Jacques Létang, avocat et magistrat de formation, ancien membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et membre fondateur et superviseur de l'équipe juridique du Bureau des droits humains en Haïti, une organisation spécialisée notamment dans la défense des cas et des victimes de violations des droits humains devant les tribunaux. Et je suis accompagné de mon collègue à ma droite, Maître Wood Kenegen, qui va lui-même se présenter. Cher membre de la Commission, bonjour. Mon nom, c'est Wood Kenegen. Je suis avocat collaborateur au Bureau des droits humains en Haïti, en charge du pôle recherche et des litiges stratégiques. Bonjour et je salue les membres de la commission, Monsieur le Président et Monsieur Paolo et les autres et représentantes de la commission et aussi les membres du gouvernement et aussi les partenaires, les amis de la société civile en Haïti. Moi, je suis Gabriel Toussaint, président et comme coordonnateur général de la Ligue culturelle haïtienne pour les droits humains, une organisation socioculturelle de défense des droits de la personne humaine. Et aussi accompagné avec un partenaire qui travaille sur la traite des personnes dans la zone frontalière et trafic d'enfants, qui est présent avec moi. Good morning, Matt Osborne from the anti-human trafficking nonprofit Operation Underground Railroad. We work in 22 different countries, including Haiti as well, as a supplement to the government to rescue and to rehabilitate children victims of human trafficking. Je salue les membres de la commission, merci, ainsi que les membres du gouvernement haïtien
et particulièrement notre honorable CG, c'est le commissaire du gouvernement, que nous félicitons pour son travail. Et je suis directeur régional de la OUR, et accompagné de Matt Osborne, donc nous luttons et contre la traite humaine, que nous pensons qui est le plus grave problème dans la zone, et particulièrement en Haïti. Pour bénéficier des 7 minutes dont nous a donné la commission, je vais vous remercier encore. Et comment ça va se faire, la méthodologie? D'abord, on présente un peu à l'image la situation des Haïtiens en Haïti. Et aussi, il y aura une présentation de 2 minutes, vidéo globale, sur la situation trafic et la traite. La contribution de la SCH à la Commission interaméricaine des droits de l'homme sur la situation des droits de l'enfant, des droits sociaux, économiques et culturels, environnementaux, la sécurité publique. S'il te plaît, pour... En Haïti, il y a plus de 4,5 millions de personnes sont victimes d'abus et ont des besoins directs d'assistance liés à la protection. Et aussi, 407 600 bénéficiaires qui recevront des aides directes. Et en 2018-2022, un ciblage de 40 communes, celui inclut de catégories suivantes. 35 000 enfants séparés de leur famille, victimes de violences, d'abus ou d'exploitation ou sans l'acte de naissance en Haïti. Et 1 000 enfants en conflit avec la loi, incluant la détention préventive. 245 000 femmes et victimes de violations sexuelles ou physiques. 95 000 déportés de la République dominicaine sans document d'identité et ayant subi des abus. 12 000 chefs de famille seuls, adultes et mineurs, vivant dans des camps, soit 40% du total. 10 000 personnes parmi les groupes vulnérables, tels que les LGBT, les personnes avec un handicap, victimes d'abus, de violences, d'exploitation ou d'exclusion. 600 personnes détenues, de chefs de famille et des femmes enceintes affectées par la détention et arbitraire. Cette contribution dresse un bilan de la situation des droits humains en Haïti ces dernières années, de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Haïti, 21 juin 2019, la Ligue culturelle haïtienne pour les droits humains, une organisation nationale de défense des droits de la personne humaine, intervient dans la promotion et la protection des droits de la personne humaine, des droits sociaux et culturels, et en mettant l'accent sur l'agression et l'acte perpétré contre les journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, et des détentions préventives prolongées, et les droits de l'enfant, la victime la violence conjugale, et les droits des PVVIH et les plus vulnérables marginalisés en Haïti. Contribution à l'audience, la Ligue culturelle haïtienne pour la 173e session auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme ont des inquiétudes quant à l'aggravation fréquente de la violation des droits de la personne humaine sur la situation des droits de l'enfant, les droits économiques, sociaux et culturels, environnementaux, la sécurité publique et des incidences sur les droits humains, le cadre institutionnel et politique publique en matière des droits humains, les droits des personnes privées et les libertés, ainsi que les droits des migrants, des enfants et des adolescents. La SCH exprime ses vives préoccupations face à la montée de violences quotidiennes que vit dans le pays en ce qui concerne le cas des personnes ayant trouvé la mort
depuis 5 et 6 juillet 2018, ainsi que février 2019, à nos jours, dans le cadre de 37 familles, des bandits, des manifestants, des protestations politiques ou sociales, particulièrement Port-au-Prince, Savane, Pistache, Martissant, 1, 7 et 4e avenue, 5e avenue, Grand Ravine, Bicentenaire, Canaran, Delma 2, 18, Route de Piste, Cité Soleil, La Saline, Toyo, Delma, Projet Douillard, Cafoufeuille, Caridad, Fontamara 27, sans fil que dans les villes de province, Saint-Marc, Okaï, Petit-Gouave, Jacmel et Gonaïve. Dans les différents départements et communes de section communale depuis 12 mois. Ces familles-là se sont trouvées dans des conditions infrahumaines. La vulnérabilité extrême, sont privées de leur liberté de circuler et de s'organiser pour leur activité quotidienne. L'agriculture haïtienne pour les droits humains reconnaît qu'il est légitime à la population haïtienne de demander compte, de demander des comptes et de revendiquer de leur pour améliorer la situation économique et sécuritaire dans le pays, sachant que l'accès à la nourriture, à la santé, à la sécurité, à l'éducation, à la liberté d'expression, au logement, au travail, aux loisirs constituent les droits fondamentaux de la personne humaine en référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution haïtienne 87 amendée. Toutefois, l'agriculture haïtienne défend et condamne sans réserve toute forme d'intimidation, de menace, d'agression physique, psychologique et de violence utilisée par des acteurs identifiés, non identifiés, poursuivant des objectifs inavoués et inavouables. Les attaques contre les pompes à essence, des postes de police, des entreprises publiques privées, des hôtels, des hôpitaux, des ministères, des établissements scolaires et des organisations des défenseurs des droits humains, etc., constituent des infractions qui méritent d'être punies conformément par la loi pénale. L'agriculture haïtienne lance un appel prépondérant à la pondération et recommande aux autorités publiques, aux acteurs et actrices politiques et au Parlement d'envisager des mesures concrètes afin d'améliorer, de répondre et d'accompagner sans délai la situation socio-économique et sécuritaire des favorisés de la population. Une brève présentation par rapport à ce qui s'est passé en Haïti, présentation cartographique de 3 juillet, 14 août et à nos jours. Voilà comment ça a été en Haïti, et des pneus, et aussi ils utilisent des motards pour semer les bagages. Et aussi les moyens qu'ils ont utilisés. Désolé. OK, des moyens utilisés pendant la crise, motocyclette, l'huile, que dit le sénateur, gasoline, arme à feu, arme blanche, cocktail Molotov, dit. Et des fois utilisés dans les réseaux sociaux, et les chefs de gang, des enfants armés, et les évadés de prison, des organisations sans foi ni loi. Attaque contre les pompes à essence, des postes de police, entreprises publiques et aussi les hôpitaux des ministères. Voilà comment est la situation, la demande de compte par rapport au compte Petro-Caribé et aussi des zones et des maisons d'études et des enfants victimes des actes de banditisme, et comme un enfant qui a eu une balle, un enfant de 3 ans la semaine dernière. Des maisons flammées, des édifices d'État et brûlés, et aussi des gens qui réclament chaque jour des comptes par rapport au compte Petro-Caribé, des fois les gasolines, des fois et tant d'autres, et c'est un problème multidimensionnel. Et aussi l'apport de la police nationale par rapport aux actes de violence dans les villes de Port-au-Prince, et aussi une situation dégradante à l'hôpital général et au commissariat de Port-au-Prince. Voilà comment se trouvent les gens
et emprisonné à l'hôpital général avec des chaînes comme des esclaves et en plein de 21e siècle. Et voilà comment les choses se font en Haïti. De notre côté, nous organisons des rencontres sur la situation avec les organisations des droits humains qui aujourd'hui font des recommandations par rapport à... qui m'ont demandé de présenter d'abord la présentation avec photo pour que la CIDH n'ait pas le document écrit, mais voit aussi la situation, comment ça a été en Haïti. Et nous travaillons aussi avec les enfants et aussi un problème de droit sur ce droit et au loisir pour les enfants. Et merci. Et je pense aussi à mon collègue les deux minutes pour et la vidéo. Thank you very much. Just we're focused in our organization on one problem. It's a huge problem, but one subset of all of this abuse of children, and obviously it's modern day slavery, trafficking in persons. Now, this is a horrible epidemic, but there is hope. There are great groups out there on the front end that raise awareness and hold conferences and education and prevention, and that's very key. Then on the back end, restoration, rehabilitation, getting these children back to their families or into vetted safe homes. We are a group that actually helps with law enforcement, partners providing tools all free. Our donors provide these tools free to the governments, and we've worked very closely first with the previous government in Haiti and now with the current government. And we know the Attorney General, think very highly of him, see his commitment, and we want to work together. Just a quick video here we'll play to show the problem, to show the tools we provide. And so keep in mind not only what we can do for Haiti, but across the Organization for American States, across the states that are in the Organization for American States. So be thinking, too, how we can, always legal. We don't tell these countries what to do. These countries tell us what to do. They tell us what the needs are. We follow laws in every situation, and we tailor our support to what the country needs. Slavery was not abolished in 1865. It exists today in various forms, and it's growing. Here is our plan for fighting the most heinous type of human slavery, child sex trafficking. Right now, there are 2 million child sex slaves throughout the world, not just overseas or in third world countries, but in America as well. Sex traffickers often recruit children because there is a high demand for young victims. Criminal organizations are attracted to human trafficking because, unlike drugs, humans can be sold repeatedly. We're here to tell you there are people doing something about it. We are Operation Underground Railroad, a team of former CIA and military personnel created to rescue trafficked children and dismantle these criminal networks. We provide law enforcement around the world with the required tools, resources, and training to take down this industry. We work together as a supplement to the government. No rescue operation happens unless we are all on the same page. Once rescued, children are reunited with their parents, if possible. OUR Aftercare ensures there are reputable shelters, orphanages, or safe houses, so every victim has high-quality care. Aftercare and rescue go hand in hand. Each are just as vital. You can't have one without the other. The only way human trafficking is going to stop is if each of us does something. Learn more by going to OURrescue.org. Just in the last few seconds that I'll take is just to remember these tools we have to provide to Haiti across the region. Funding, training, tools, technology. Together, we have to work this problem, a public-private partnership. Operation Underground Railroad, grateful for the opportunity to present today. Gracias, muchas gracias. No he interrumpido la intervención de ustedes para que terminen, así que vamos a compensar con un tiempo adicional para el Estado. Tienen la palabra ustedes hasta por 16 minutos. Por favor. Je vous remercie encore une fois, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole dans cette circonstance toute particulière pour Haïti.
Encore une fois, je me présente. Je suis le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, accompagné de Maître Falière Basler, le représentant du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de M. Myrtille Pierre, conseiller à l'ambassade d'Haïti, Mme Cindy Dalcé, conseillère, et Jean-Bernard Henry, premier secrétaire. Il ne faut pas oublier l'ambassadeur Léon Charles qui est indisponible pour ce matin à cause d'un problème de dernière heure. Et sans oublier le représentant, Maître Franz Dorsainville, le représentant du ministère des Affaires étrangères d'Haïti. Encore une fois, je profite de cette occasion spéciale pour saluer les représentants de l'ensemble des citoyens compétents à la recherche de l'égalité des droits humains en Haïti. Et personnellement, comme commissaire du gouvernement, j'accorde une importance particulière au travail des organisations des droits humains dans le pays, parce qu'on a surtout besoin du support de ces organisations pour aider à Haïti d'atteindre sa mission, qui est de protéger les droits humains dans le pays. Et conformément à l'article 66 du règlement intérieur de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et suivant les audiences de la Commission, l'ensemble des citoyens compétents à la recherche de l'égalité des droits de l'homme en Haïti et la Ligue culturelle haïtienne pour les droits humains ont sollicité une audience devant la Commission pour traiter certaines questions qu'ils considèrent comme des atteintes aux droits de la population haïtienne. Par ailleurs, la Ligue culturelle haïtienne pour les droits humains, quant à elle, a profité pour faire une mise au point dans un argumentaire soumis à la Commission dans lequel elle a reconnu les efforts accomplis par le gouvernement haïtien en matière de détention préventive prolongée. Elle a aussi fait état de ses préoccupations concernant les actes d'agression commises à l'égard des journalistes et des défenseurs des droits humains, la situation des enfants face à la violence conjugale, le respect des droits économiques, sociaux et culturels et environnementaux. Elle encourage le gouvernement à lutter contre les discriminations, autres violences de droits humains liées au sida, ainsi que les problèmes de sécurité. Cependant, elle n'a pas adressé de reproches particuliers à l'État haïtien. Pour justifier sa plainte, l'ensemble des citoyens compétents à la recherche de l'égalité des droits de l'homme ont insisté, reproché à l'État haïtien des cas de violation en Haïti, de corruption et d'impunité, des atteintes à la liberté d'expression. Le gouvernement haïtien saisit cette opportunité pour clarifier la situation par rapport aux faits qui lui sont reprochés, mais aussi pour solliciter l'appui de la Commission en vue de faciliter l'avancement de certains dossiers à caractère international qui sont dans l'impasse, car les décisions qui ont été prises pour l'avancement de ces dossiers n'ont pas été exécutées. Bon, pour de plus amples détails d'informations, je passe la parole à Maître Falière Basler pour la lecture des réponses de l'État haïtien. Dans son exposé, l'ECRED reproche au gouvernement la situation d'insécurité dans le pays, notamment les faits suivants. Le dossier de l'ONG America Solidaria. Il s'agit d'une attaque commise par des individus armés sur les membres d'une délégation de l'ONG America Solidaria à la Croix des Bouquets, dans laquelle se trouvait l'ambassadeur du Chili. Une saisie a été pratiquée et l'action publique fut mise en mouvement immédiatement après l'incident. Deux personnes furent arrêtées et le dossier a été transmis au cabinet d'instruction. L'attaque contre Felipe Fernandez. Monsieur Felipe Fernandez, un étranger qui revenait d'une banque commerciale à Saint-Marc, a été attaqué par des individus armés circulant à motocyclette le 28 mars 2019. Une enquête policière a été ouverte dans le cadre de ce dossier. À la suite de cette enquête, son assistant a été arrêté ainsi que trois autres personnes qui étaient à la banque ce jour-là et qui collaboraient avec l'accusé.
Ils ont été interrogés et leur dossier transmis au cabinet d'instruction de Saint-Marc le 11 avril 2019. Le dossier de La Saline. Le gouvernement profite donc de cette audience pour exposer les différentes actions entreprises dans le cadre de ce dossier afin que justice soit rendue aux victimes. En effet, une fois les faits reportés, l'action publique fut mise en mouvement par le parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le dossier a été transféré au cabinet d'instruction qui mène son enquête. Trois rapports furent produits par la DCPJ en janvier 2019, en février 2019 et le 23 avril 2019. Sur la base des informations, 16 personnes au total sont déjà arrêtées dans le cadre de cette enquête. Au mois d'avril 2019, un certain nombre de personnes ont été entendues. 74 plaintes ont été déposées par des riverains. 80 victimes ont été auditionnées et 5 autres personnes ont été arrêtées. Le 23 avril 2019, un troisième rapport fut produit et 98 personnes ont été indexées, dont 2 hauts fonctionnaires de l'État. Il faut signaler que dans le cadre de cette enquête, tous les rapports produits par les organisations de droits humains, Fondation J'éclairé, RNDH, etc., ont été annexés au dossier transféré au cabinet d'instruction. En ce qui concerne les 2 fonctionnaires de l'État, M. Fidel Moncheri et M. Pierre-Richard Dublin, le dossier est au cabinet d'instruction depuis le 4 janvier 2019 pour les suites de droit. Il appartient au juge, conformément à l'article 90 du Code pénal, de solliciter l'autorisation des autorités compétentes pour faciliter la comparution de ces 2 hauts fonctionnaires au cabinet d'instruction s'il l'estime nécessaire. D'ailleurs, depuis 2017, l'exécutif a toujours répondu favorablement aux demandes des juges d'instruction quand il s'agit de fonctionnaires de l'État indexés par la justice. Le dossier de Carrefour-Feuille. Depuis la fin de l'année 2018, des riverains du quartier de Carrefour-Feuille se sont plaints d'actes de banditisme répétés, vols, viols, meurtres, etc., de la part de gangs armés. Après le constat des faits, le parquet a ordonné à la DCPJ à faire des analyses scientifiques à partir de toutes les traces trouvées sur la scène du crime. Le parquet avait aussi ordonné l'autopsie des corps. Entre-temps, près de 19 personnes ont été arrêtées. 64 personnes ont été indexées et le dossier a été déféré au cabinet d'instruction le 25 mai 2019 pour les suites légales. Il faut préciser que le gouvernement a entamé le processus de pacification de ce quartier par l'arrestation de plusieurs bandits et par le renforcement de la présence policière. Les institutions compétentes continuent de mener des enquêtes sur l'existence des gangs armés qui sèment le trouble dans ce quartier. Lutte contre la corruption et l'impunité. L'ECRED, dans son rapport, a soulevé 3-4 corruptions. La surfacturation du contrat au MAST, et il a reproché au gouvernement des faits de surfacturation de contrat. Entre autres, l'affaire du ministre des Affaires sociales, M. Ousel Bellevue, où le ministre a dû donner sa démission. Ce dossier a été transmis au cabinet d'instruction en novembre 2018 pour suite légale. Par ailleurs, il tient à préciser que dans le cadre de la lutte générale menée contre la corruption, 30 autres cas de corruption ont été traités entre décembre 2018 et août 2019 sur le rapport de l'unité de lutte contre la corruption et de l'unité centrale des renseignements financiers. Les dossiers ont été par la suite transmis au cabinet d'instruction. En outre, depuis 2017, des suites sont régulièrement données au rapport de l'UCREF et ULCC lorsqu'il arrive au parquet, ce qui prouve la bonne foi du gouvernement de lutter contre ce fléau qui est la corruption. En témoigne le dossier de l'ex-ministre des Affaires sociales, M. Ousel Bellevue. La corruption au Parlement. Pour ce qui concerne la corruption au Parlement mentionnée par l'ECRED, il s'agit du pouvoir législatif d'un pouvoir indépendant. La Constitution de la République consacre l'autonomie des pouvoirs et confère à chaque institution ses attributions. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui est l'institution compétente en matière de gestion des fonds publics, a produit des rapports sur les dépenses du pouvoir législatif. Le Bureau des affaires financières et économiques, BAF, qui relève de la DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, ont aussi produit des rapports allant dans le même sens. La procédure pour punir les coupables suit son cours. Le procès Petro-Caribe. Le gouvernement accorde une importance particulière à la lutte contre la corruption en général et apporte sa contribution pour que les cas de corruption portés à la connaissance de la justice ne restent pas impunis. En ce qui concerne l'affaire Petro-Caribe, le gouvernement tient à apporter les précisions suivantes. La procédure devant conduire au procès Petro-Caribe a été engagée. Les divers stades de la procédure ont été jusque-là respectés et des fonds spéciaux ont été alloués à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif par le gouvernement
en vue de faciliter la tâche aux vérificateurs et accélérer ainsi la production des rapports. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a déjà publié deux rapports d'enquête sur ce dossier. Le doyen du tribunal, le premier instance de Port-au-Prince, avait désigné un juge sur le dossier, lequel a envoyé un soir communiqué au parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le 22 mars 2018. Le juge désigné a communiqué son ordonnance au parquet le 31 janvier 2019. Le cabinet d'instruction est en train de mener son enquête et certaines personnalités ont déjà été entendues par le juge d'instruction dans le cadre de cette enquête. Différentes visites ont été réalisées par le gouvernement, notamment le 21 septembre 2018 et le 24 janvier 2019, dans le souci d'accompagner la Cour dans sa mission de contrôle de la gestion des deniers publics, facilitant ainsi la reddition de comptes. Le cas des 50 juges. Les CRED demandent la révocation de 50 juges nommés par le président de la République. Les 50 autres juges ont tous été nommés sur avis favorable à la suite d'un processus de certification qui reste une prérogative exclusive du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Conformément aux prérogatives constitutionnelles, le président de la République ne peut que donner suite une fois que la liste des juges certifiés lui a été communiquée par le pouvoir judiciaire. Liberté d'expression. Les CRED reprochent à l'État haïtien l'inaction dans des cas spécifiques d'atteinte à la liberté d'expression concernant ses membres. Il s'agit du cas du décès de M. Ludovic Saint-Preux, père du coordonnateur général de l'ECRED, le 26 octobre 2015. Le parquet n'a enregistré jusque-là aucune plainte. Toutefois, le gouvernement reste ouvert pour coopérer avec l'ECRED et les parents de la victime pour entamer les procédures judiciaires que de droit une fois la plainte déposée. Cas du secrétaire général et de la porte-parole de l'organisation Lumen Macéus, agressé à la Croix des Bouquets alors qu'il sortait d'une rencontre. Aucune plainte n'a été jusqu'à date déposée au parquet près le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Le gouvernement sollicite la collaboration de l'ECRED avec la justice pour faire lumière sur ce dossier. Cas de Mélanie Sony, membre de l'organisation battue par les membres de la PNH, alors qu'il avait été dûment identifié. Le gouvernement ne dispose d'aucune information sur ce cas, car aucune plainte n'a été déposée à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Toutefois, le gouvernement a pris acte de ce fait qui sera communiqué immédiatement à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour les suites nécessaires. Le cas des aspirants policiers. Selon les rapports de la Direction centrale de la police judiciaire et du SDP, deux des aspirants policiers étaient des membres actifs de certains gangs. Ils ont été arrêtés par la police pendant qu'ils étaient en formation. Leur dossier a été transmis au parquet qui a mis l'action publique en mouvement contre les cinq. Le dossier est actuellement au cabinet d'instruction. Autre priorité, le gouvernement apprécie le travail de la CIDH pour la défense et la protection des droits humains dans la région, notamment dans les domaines suivants. Le gouvernement ici exprime son appréciation à la CIDH pour les rapports publiés sur la situation des migrants haïtiens en République dominicaine et celle des centaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne rendus apatrides. Le gouvernement réitère sa volonté de coopérer avec la CIDH pour le respect de leurs droits inaliénables, conformément à la Convention interaméricaine des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le gouvernement profite de l'occasion pour inviter la CIDH à accorder une attention spécifique à la situation des migrants haïtiens dans la région. Le choléra. Pour ce qui concerne le choléra, le gouvernement souligne à l'attention de la CIDH que plus de 900 Haïtiens ont trouvé la mort et plus de 900 000 ont été contaminés par la bactérie du choléra amenée en Haïti en novembre 2010 par les soldats de la MINUSTAH. L'ex-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, avait promis de dédommager les familles des victimes décédées et de contribuer financièrement à l'assainissement et à l'éradication de la bactérie. Jusqu'à date, l'année 2019, les 900 familles des victimes n'ont pas été dédommagées. De plus, en ce qui concerne l'assainissement, les fonds sont nettement insuffisants. Le gouvernement haïtien apprécierait vivement que la Commission interaméricaine des droits humains accorde une attention spéciale à cette situation. Le gouvernement haïtien remercie la CIDH d'avoir convoqué cette audience qui lui a permis de faire la lumière sur certaines questions soulevées par les organisations de la société civile haïtienne.
Il tient à souligner que, malgré les grands défis, il multiplie ses efforts pour améliorer la situation générale des droits humains. Et à cet égard, il compte sur l'appui de la CIDH et de l'Organisation des États américains. Le gouvernement haïtien réaffirme sa volonté de toujours prendre en compte les rapports des droits humains produits par les institutions nationales et internationales et de toujours donner suite aux cas de violation soumis à son attention. Le gouvernement haïtien souhaite qu'à l'avenir, une coopération s'établisse pour la communication régulière d'informations dans les domaines des droits humains en dehors même d'une quelconque demande de la part de la Commission. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, je vous demande de prendre acte qu'un document officiel et formel de l'État haïtien a été préalablement déposé à l'administration de la Commission par la mission permanente d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains. Toutefois, si vous avez des questions supplémentaires, nous sommes prêts, nous sommes à votre disposition. Merci. Merci beaucoup à vous. Vamos a dar ahora la palabra a los miembros de la mesa. En primer lugar, quisiera pedirle a nuestra colega, la comisionada Pio Bessan, que hiciera su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Mis saludos iniciales a la representación de la sociedad civil, a la representación del Estado, por proveer sobre todo informaciones muy relevantes. Me gustaría destacar tres puntos. El primer es que la sociedad civil presenta un mapeo muy grave de violaciones y ataques a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales. Tuvimos una sesión pública sobre el tema de la violencia y seguridad y sobre todo las muertes y las protestas. Hubo nuestra evaluación, nuestro debate. Pero el segundo punto tiene que ver con la situación de gran vulnerabilidad de personas y grupos como los niños y niñas, y las mujeres, las personas LGBTI. La sociedad civil presenta datos muy, muy graves, ¿no?, del tema de trata, de tráfico humano, de abuso, explotación sexual. Y tenemos también denuncias de castigos corporales, matrimonio forzado, ¿no? Y también la denuncia de que hay incluso la ausencia de la certidão de nascimento, ¿no?, birth certificate. Entonces, mi pregunta a la representación del Estado sería justamente si pudiera aclarar cuáles las medidas de protección, porque hay estándares interamericanos de protección a los grupos y personas en situación de vulnerabilidad, y hay derechos a ser protegidos y hay deberes reforzados por el Estado justamente en virtud de la vulnerabilidad. Yo me refiero ahora sobre todo a los niños y niñas, hay el principio del interés superior. Y como relatora de los derechos de las personas LGBTI, la gran preocupación de la relatoría con relación a un proyecto de criminalización de las personas LGBTI que tuvimos noticia. O sea, ¿cuál es la posición del Estado con relación a la cláusula de la igualdad y prohibición de la discriminación y también todo el marco protectivo especial a niños y niñas y a las personas LGBTI como grupos de acentuada situación de vulnerabilidad? Y mi tercer punto justamente es en la línea de impulsar una cooperación técnica con la Comisión, ¿no? O sea, sería muy valiosa la posibilidad de hacernos con la anuencia previa del Estado una visita in loco, justamente para tenermos una comprensión más precisa y fortalecermos la cooperación técnica con el Estado. Muchas gracias. Gracias, Flavia. El comisionado Vargas, por favor. Sí, presidente, muchas gracias. La relatoría que tengo a mi cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la encargada del tema de migraciones, todos los derechos de los migrantes, y ahí es donde hemos trabajado justamente, veo porque Haití ha hecho, el Estado ha hecho referencia a eso en las dos intervenciones, el trabajo que hemos hecho en República Dominicana respecto a los derechos de los migrantes provenientes de Haití.
Pero también en esa relatoría tenemos que ver con todo el tema de trata de personas. Tema de que ustedes han expuesto hoy como sociedad civil y que la verdad nos preocupa muchísimo. El tema de apatridia también lo manejamos en la relatoría, así que esos casos a mí me gustaría que de pronto ustedes los pudieran exponer por vía de peticiones, que lo llevaran entonces a conocimiento de la comisión, porque la verdad es muy preocupante el panorama que ustedes nos están presentando. Así que, para ser muy concreto, y porque aquí tengo a mi izquierda a la verdadera experta en el tema de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es la doctora María Soledad, solamente quisiera hacer una referencia, una solicitud al Estado. A ver, ustedes como Estado, ¿qué medidas han tomado para garantizar a plenitud el derecho a la protesta social? Pero que sean concretas, porque eso es un derecho que tienen las sociedades y que nosotros acompañamos de manera vehemente, y a evitar que haya uso desmedido de la fuerza pública en la respuesta que se pretenda dar a este derecho a la protesta social. A mí me gustaría simplemente, de manera muy concreta, preguntarles en ese sentido qué garantías realmente existen en Haití para que la sociedad pueda protestar, pues, de manera pacífica, obviamente, en estas protestas sociales, y además la garantía que se tiene a recibir el derecho a la información correspondiente. Ya les había hecho la pregunta relativa a defensores de derechos humanos en la pasada sesión. Esta vez me concreto al tema de protesta social y de libertad de información. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionado. La relatora especial, si está amable. Muchas gracias, señor presidente. Bonjour a tous et à toutes. Merci beaucoup pour les informations. Y me animo a darles un pequeño saludo en su lengua, porque ciertamente es muy importante para el mandato poder estar, participar en esta audiencia. Muchas gracias a la comisión por así tenerlo a bien. Unos breves comentarios en relación con las informaciones que nos comparten y que quisiéramos aprovechar también esta audiencia con la honorable presencia del Estado para que por esta vía o con posterioridad pudieran darnos cifras actualizadas sobre la prevalencia de los índices de pobreza y extrema pobreza en Haití, que entendemos que es uno de las grandes preocupaciones tanto para el Estado como para la sociedad civil de la sociedad haitiana. Quisiéramos también saber de sus esfuerzos, del Estado como de la sociedad civil, en el combate de la pobreza, las acciones que consideran hayan sido exitosas en esa materia, como también los desafíos, los recursos que se están destinando a estas acciones, y registrar también la preocupación del mandato y sin duda de la comisión en cuanto a la criminalización de las personas que protestan precisamente para reclamar sus derechos sociales y ambientales. Hace pocos días muchas personas en Puerto Príncipe se fueron a la calle para protestar y reclamar por la crisis de combustible tan grave que está viviendo Haití, que desde el mandato nos preocupa muy especialmente por cómo afecta, por ejemplo, a los hospitales o a las escuelas. Nos gustaría tener más información, también en un tono muy constructivo, quedar a disposición para desarrollar esfuerzos con la comisión y muy especialmente con la relatora de país, que también es una gran experta en materia de ESCA y muy sensible a esta temática, para desde una actitud constructiva, además del monitoreo y de los pilares del mandato de la comisión, contribuir a la mejora de la situación del pueblo haitiano, que tanto lo merece y que está sufriendo los efectos, por ejemplo, del cambio climático, no solamente dentro de Haití, sino también en Bahamas. Nuestra solidaridad. Y un último llamado, en este caso como integrante del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, Haití ratificó en el año 2012 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo quisiera hacer un llamado muy especial a Haití, a través de la representación de su honorable Estado, a ratificar cuanto antes también el Protocolo de San Salvador. Creo que sería un gran mensaje de compromiso del gobierno haitiano con la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, y quedamos a su disposición también para ayudar en ese proceso. Muchas gracias.
Gracias, relatora. Yo quisiera que el tiempo que tenemos disponible en la audiencia sea utilizado de la manera más eficiente, así que no voy a formular ninguna pregunta. Mis colegas ya lo han hecho, hay preguntas muy concretas para el Estado, nos gustaría escuchar sus respuestas. Y tenemos todavía a nuestra disposición máximo 15 minutos. Vamos a darle 7 minutos a la sociedad civil y 7 minutos al Estado. Hay una organización que quiere participar a través de videoconferencia y entiendo que las organizaciones aquí presentes han aceptado darle este espacio a dicha organización. Así que dentro del tiempo que tienen, le pediría a los técnicos que entren que hagan el enlace para que podamos escucharle. Por favor. Oui, nous écoute, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. 5 sur 5. Mesdames, Messieurs les membres et les commissaires, Haïti, pendant ces dernières années, fait face à des situations graves et très critiques en matière de droits humains. C'est un pays en rouge sur la carte mondiale, et ceci sur tous les plans. Cependant, c'est un pays qui a connu une histoire particulière. Cette situation actuelle fait de lui un espace invivable pour ses concitoyens et concitoyennes, tels que la liberté d'expression, la corruption, crise alimentaire chronique, l'insécurité et l'impunité généralisée dans le pays. Les droits comme ensemble des règles, coutumes, lois, traités qui favorisent l'harmonisation entre toutes les couches de la société, quelle que soit leur appartenance ethnique. De ce fait, cela nous permet de comprendre clairement que chacun est libre d'agir, de penser suivant les prescriptions et législations en question. Par contre, en Haïti, Haïti est le pays où la question de liberté d'expression, la corruption, l'impunité fait rage, à n'importe quel moment, n'importe qui peut être victime par n'importe qui. Et Craig se dit dans la barre pour se demander comment un pays qui a signé et ratifié l'instrument daté le 14 septembre 1977, conformément à l'article 93 de la Constitution haïtienne, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, en promettant de les respecter sans aucune violation, et voilà la situation actuelle. Il craint de se plaindre et tire la sonnette d'alarme pour dire non à la situation de sécurité généralisée dans le pays, non aux violences d'État, non aux disparitions humaines, non aux exécutions et incendies. Et sous les yeux des autorités de l'État, les hommes armés ne cessent de semer la trouble au sein de la société haïtienne. Mesdames, Messieurs les commissaires, quelques-uns des faits. Le massacre de la Saline en novembre 2018, qualifié de massacre d'État, est un crime contre la morale républicaine et plusieurs dignitaires de l'État seraient identifiés dans ce massacre, tels que les directeurs généraux du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Fidel Conchéry, et le délégué départemental de l'Ouest, Pierre Richard Dublin. Donc, il était question de 70 personnes assassinées, des autres portées disparues, 11 victimes de viol, 5 personnes blessées, 150 maisons vandalisées et criblées de balles. Le massacre de Carrefour-Feuille en date du 24 avril 2019, impasse et dit a fait 7 morts et plus d'une dizaine de blessés. Pour ne citer que cela, ce sont des actes professionnels
et la justice soit équipée de moyens adéquats pour rendre justice et punir les coupables. Parallèlement, la corruption gangrène les institutions publiques, même plus au niveau de l'État. Rappelez-vous bien un combat que l'ensemble des citoyens compétents à la recherche de l'égalité des droits de l'homme en Haïti a mené lors de la nomination de 50 juges soupçonnés de corruption que le président de la République a imposé dans le système judiciaire haïtien. Ce régime fait de la corruption son cheval de bataille pendant qu'une population se trouve dans une situation infrahumaine. Une situation critique, voyant que tous les pays de cet hémisphère se sont lancés dans la lutte et contre la corruption. Et pourtant, en Haïti, c'est la grande mode. On valorise, on couronne les corrupteurs, ce qui est inacceptable. Les gens les plus corrompus occupent les meilleures places dans la fonction publique. Tout se résume à la corruption. Elle fait corps à l'État, elle seule fait la loi. Pendant ce temps, le peuple se livre à lui-même, croupisse dans la crasse et crève dans la misère. Violation flagrante de leurs droits fondamentaux, pendant que plus de 4 milliards de dollars américains viennent de dilapider, selon les rapports de la Cour des comptes. Pas d'hôpitaux ni de logements sociaux, l'éducation est au rabais, la nourriture devient un luxe, l'environnement une catastrophe et une menace pour le peuple haïtien. Haïti devient des pays les plus dangereux en matière de violation des droits de l'homme. La corruption est l'une des premières causes de cette violation flagrante, car les fonds qui devaient être disponibles pour les programmes de masse pouvant permettre une amélioration de vie de la population haïtienne ont été détournés. À cet effet, l'ensemble des citoyens compétents à la recherche de l'égalité des droits de l'homme en Haïti dénonce le niveau de l'irresponsabilité de l'État par rapport à la population haïtienne en matière de la sécurité publique. Nous déplorons et nous dénonçons ces violences contre la population haïtienne ainsi que les ressortissants étrangers dans le pays. Nous demandons à ce que l'État haïtien prenne ses responsabilités afin d'assurer la sécurité de tous les citoyens sans distinction aucune. Un grand merci. Excusez-moi, nous allons terminer maintenant. Si vous pourriez adresser votre dernière parole, s'il vous plaît. Oui, nous adressons la parole aux membres de PDDH. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Los últimos segundos a la disposición de ustedes, por favor. Le Bureau des droits humains en Haïti, BDHH, félicite la CIDH pour l'organisation de cette session consacrée à la situation des droits humains en Haïti. Ce pays vit une crise socio-économique et politique propice aux violations massives des droits humains et à la quasi-totale impunité qui les entoure. Depuis 1986, le pays s'est engagé dans une transition vers la démocratie qui a porté en théorie un état de droit. Mais dans la réalité, les droits humains, notamment les droits à la liberté, à la sécurité, à la propriété, à l'alimentation, à la santé, au logement et à la protection sociale sont bafoués. La majorité des Haïtiens vit au quotidien dans des conditions inhumaines et dégradantes. Quant aux droits politiques, il est impossible de dire que le droit des Haïtiens à des élections libres et démocratiques est respecté. Les responsables politiques sont incapables de gérer convenablement la chose publique et plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui intimement mêlés à des scandales de corruption et de complicité avec des gangs armés. Rien n'est fait pourtant pour les poursuivre. Dans ce contexte d'impunité, l'État haïtien ne cesse de manquer à ses obligations positives en matière de respect des droits humains. En premier lieu, l'État haïtien viole ses obligations positives d'assurer la sécurité publique et de protéger les vies et les biens.
Les gangs armés, souvent de connivence avec des autorités politiques, sèment la terreur. Outre les actes de violence, de nombreux massacres ont été perpétrés dans la zone métropolitaine ces derniers mois. En novembre 2018, dans le quartier populaire de la Saline, plus de 71 personnes ont été tuées dans des conditions atroces. Des centaines de personnes victimes d'agressions physiques ou sexuelles descendues de leur maison ou de menaces ont dû fuir la zone et se retrouvent aujourd'hui sans abri. La situation sécuritaire n'est pas rétablie et l'on décompte de nouvelles victimes presque chaque semaine. Les autorités ne prennent aucune mesure appropriée de sécurisation et d'assistance humanitaire. En deuxième lieu... Pardon, we're really over the time. So, you have final remarks? Please do it in 1 minute. I'm really sorry, but we have to close. And we have to give time to the representatives of state to listen to the questions that have been posed. So please, in 1 minute, final remarks. En deuxième lieu, l'État haïtien viole ses obligations positives d'assurer l'accès à la justice pour ses citoyens. Malgré les nombreuses plaintes déposées et les rapports concordants des organisations de la société civile, de l'ONU et de la police judiciaire, l'instruction du massacre de la Saline est à point mort. Jusqu'à date, les deux officiels indexés sont toujours en fonction. Au cours du mois d'août 2019, le comité des défenseurs des victimes a adressé 2 demandes de mesures au conservatoire afin d'alerter la commission sur la gravité de la situation et l'extrême urgence de prendre des mesures de protection à l'égard des victimes. Le service public de la justice est gravement altéré, malgré les efforts par certaines autorités, dont le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, pour réduire la détention préventive prolongée. Au cours de cette année, les cours et tribunaux ont à peine fonctionné. Le BDHH a comptabilisé des dizaines de jours de dysfonctionnement de la justice dus à des grèves des magistrats et greffiers, des manifestations du pays loc et de la situation d'insécurité. Face à ces blocages, les dossiers se perdent au tribunal et n'aboutissent presque jamais. Le BDHH accompagne, dans le cadre de son service d'assistance légale, des dizaines de victimes de violences qui ne parviennent pas toujours à obtenir justice. L'impunité et l'arbitraire sont les deux faces de l'injustice haïtienne. Des personnes meurent en prison où les conditions de détention sont déplorables. Si le BDHH a été en mesure d'obtenir plusieurs libérations grâce notamment au recours en habeas corpus, les juges violent néanmoins les dispositions de la Constitution en attendant des semaines avant de tenir audience ou de rendre des décisions pour des procédures qui ne prévoient pourtant aucun délai d'attente. Dernièrement... Merci beaucoup. De veras, discúlpenme. Tenemos 10 minutos, porque tengo que dar tiempo adicional, para escuchar a la representación del Estado. Mis colegas han hecho preguntas muy concretas, ustedes han hecho posicionamientos muy concretos. Entonces, creo que es importante escucharlos. Y nos estamos excediendo mucho del tiempo, pero el tema amerita que nos hayamos extendido. Así que les damos la palabra ahora a la representación del Estado. Hay varias cosas que hemos puesto sobre la mesa. Yo les rogaría respuestas muy puntuales a lo que aquí hemos escuchado. Gracias por su comprensión. Merci, monsieur le Président. Je vais surtout mettre l'accent sur les différentes questions posées aux représentants de l'État haïtien. Et vous avez insisté sur la vulnérabilité des personnes, que ce soit les femmes, les enfants, les détenus. Vous avez insisté sur les mesures de protection prises par l'État pour soulager ce problème. Et je dois vous dire en passant que la crise haïtienne est multidimensionnelle, effectivement. Et depuis décembre, sur la question de la détention préventive prolongée, particulièrement à Port-au-Prince, qui est l'une des gangrènes du système judiciaire, l'un des problèmes les plus importants du système judiciaire, et dès ma prestation de serment le 18 décembre 2018, j'avais pris des mesures concrètes. Premièrement, j'avais fait un état des lieux comme mesure au niveau du parquet de Port-au-Prince. Et effectivement, le constat était alarmant à l'époque. Et j'ai pu trouver seulement 40 actes d'accusation et réquisitoires d'informés
des actes qui sont extrêmement importants pour faire avancer les dossiers au niveau du parquet. J'ai trouvé seulement 40 en 6 mois, pour une période de 6 mois, pour 23 substituts commissaires. Ce constat était alarmant. Et comme mesure directe qui a été prise, c'est le quota de dossiers par substitut. Et sur la même période de 6 mois, avec cette question de quota de dossiers par commissaire et par mois, au total 10, pour le seul mois de janvier, nous avons pu passer de 40 actes à 199. Et pour la même période de 6 mois, nous avons réalisé 984, ce qui a diminué, dans une certaine mesure, la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince de décembre à septembre 2019. Et nous avons pu diminuer la détention préventive prolongée de 37% à Port-au-Prince. Et au départ, nous avons eu au total 4918. Donc ce chiffre avoisinait près de 5000 détenus en détention préventive prolongée. Au moment où nous parlons, nous sommes à 3218. C'est un résultat, ce n'est pas un grand résultat, mais c'est un résultat considérable. Et je profite encore une fois de cette circonstance pour remercier les organisations ici présentes, notamment BDHH, qui ont beaucoup supporté le parquet de Port-au-Prince dans cette entreprise. Donc le travail doit continuer, mais beaucoup d'efforts ont été réalisés dans le domaine de la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. Et pour contrecarrer la question de la traite des enfants, je vous dis rapidement que chaque mois je donne un bilan mensuel du travail qui est fait au niveau du parquet. Et au cours de ce dernier bilan, j'avais mis l'accent sur la mise en place d'une cellule spéciale au niveau du parquet pour la traite des enfants et la traite des personnes en particulier, parce que Haïti a ratifié des textes internationaux relatifs à la traite des enfants et nous avons voté au regard à ces conventions internationales, une loi en 2014, une loi très sévère, punissant la traite des personnes en Haïti. À ce titre, nous avons monté une sorte de task force entre les institutions les plus importantes. Je veux parler des institutions comme le ministère des Affaires sociales, des institutions comme l'Institut du bien-être social et de recherche, des institutions comme la Brigade de protection des mineurs. Donc actuellement, nous avons une cellule pour traiter ces dossiers de traite des personnes. Et le dernier cas en date, un cas qui a défrayé la chronique le week-end dernier, nous avons, grâce au support de la police et à notre petit service d'intelligence, nous avons pu procéder à l'arrestation d'une femme qui était en train de lapider son enfant, surtout à Carrefour. Son dossier est maintenant transféré à la direction centrale de la police judiciaire. Une enquête est en cours. Je crois que ça fait partie de la traite des personnes et c'est un signal fort envoyé aux gens pour les décourager dans cette entreprise. Nous avons monté également une cellule contre les violences faites aux femmes au niveau du parquet de Port-au-Prince, composée de 3 substituts, dont 2 substituts femmes et 1 substitut homme, pour les violences faites aux femmes. Ensuite, des mesures ont été prises. Je dois vous dire concernant les manifestations, les garanties. Et nous avons en Haïti, des garanties constitutionnelles. D'ailleurs, au préambule même de la Constitution de 1987, qui est encore en vigueur, Haïti reconnaît les droits de la personne humaine, les droits humains en général. Il y a des prescrits constitutionnels en la matière. Donc, le droit d'organiser des manifestations publiques est un droit garanti et par la Constitution haïtienne et les lois de la République. Mais en réalité, dans la pratique, avec les limites des forces de police, il peut y avoir certains dérapages. Et ces dérapages, moi-même comme commissaire du gouvernement, j'ai pris ces dérapages très au sérieux.
des manifestants qui manifestaient violemment ont été traduits au niveau du parquet pour les suites de droit, mais nous demandons toujours à la police, et surtout comme commissaire du gouvernement, de respecter en tout état de cause les droits des manifestants. Donc je passe la parole à Maître Fallier Basler pour certaines précisions. C'est, oui, exactement. Pour la traite, je dois vous dire que ce n'est pas seulement à Port-au-Prince, dans la juridiction de Port-au-Prince, que le problème de la traite se pose. Il se pose aussi dans d'autres juridictions, particulièrement au nord-est, dans le sud-est. Et le parquet, la justice haïtienne a toujours pris des mesures pour contrecarrer les contrevenants. C'est ainsi que à Jacmel, dans le département du sud-est du pays, il y a des cas qui ont été jugés. À Fort-Liberté, peut-être vous êtes au courant, il y a des cas qui ont été jugés. Donc, c'est une infraction que l'État haïtien entend punir avec le maximum de rigueur. Donc, c'est pas, nous arrêtons pas là parce que, comme vient de vous dire le commissaire du gouvernement, des rencontres se font presque quotidiennement ou bien pour réfléchir sur l'éventualité des problèmes de traite qui se posent dans le pays. En ce qui concerne les droits des migrants, c'est bien que nous vous avions remercié des efforts que vous aviez accomplis en notre faveur. Et nous sommes conscients que ces problèmes représentent une importance très particulière pour le gouvernement haïtien. Et de jour en jour, des mesures vont être prises et nous allons aussi compter encore sur la contribution du CIDH pour essayer de pallier cette situation-là. En ce qui concerne le problème des carburants que vous aviez mentionné, oui, c'est vrai, ça a un impact sur la société haïtienne. Mais il faut dire aussi que le gouvernement a fait des efforts. Par exemple, le commissaire du gouvernement avait mis en application une loi pour interdire le marché noir. Et à partir de ce moment, tous les commissaires des 18 juridictions de la République on fait la même chose pour empêcher que des gens achètent du carburant pour les revendre au prix fort. Et actuellement, il y a les pompes qui sont alimentées par du carburant et le problème commence à avoir une solution. Ya estamos sobre el tiempo. Les agradecemos muchísimo. ¿Quiere decir algo final? Por favor. C'est juste pour vous annoncer la mise en place d'une sorte de table de concertation informelle permanente à Port-au-Prince, de concert avec les organisations des droits humains, pour réfléchir en profondeur sur les différents problèmes. Merci. Merci. Bueno, le agradezco mucho esto último, porque justamente es lo que muestra esta audiencia, la anterior y esta. Y es una situación preocupante de los derechos humanos en Haití. Y obviamente estos son espacios muy importantes para nosotros, hacernos llegar información. En continuación de una visita técnica que hizo el secretario ejecutivo y su equipo en el mes de junio, pero que obviamente el tema no se agota aquí. Y creo que lo último que hemos escuchado, que es el compromiso de tener una mesa de trabajo, es algo muy rescatable de esta audiencia. Les agradezco mucho ese ofrecimiento. Sepan ustedes, sociedad civil y autoridades del Estado, que la Comisión está comprometida con Haití y con los esfuerzos que realizan para superar la crisis actual. Entonces, reiteramos nuestra disposición a hacer una visita in loco y tener un intercambio mucho más profundo y sobre todo un mejor conocimiento de la situación. Buen regreso a casa. Muchas gracias. Esta audiencia ha terminado.